Salam alaikum Ikhwan, bonsoir les amis, voilà pour vous le journal Le Vinard avec page course par course pour le quintet de jeudi à Deauville, 15 août 2024. Kimi Oronda sur le bon chemin. Le quintet de demain jeudi à Deauville, 17 partants, mâle, femelle, hanger de 4, de 3 ans à 8 ans. 17 partants, la distance 1200 mètres, ligne droite, classe 1, première épreuve, handicap divisé, prix Hong Kong Jockey Club, grand handicap, sprinter, 75 000 euros. On commence avec les chevaux et les jockeys. 17 partants. Voilà mes amis. Le 1, Espasqui, mâle 4 ans, corde 13. Le 2, Allemaître, hanger 4 ans, corde 6. Le 3, Barzalona, corde 5, hanger 5 ans. Le 4, Tépicone, corde 7, femelle 4 ans. Le 5, Guillon, corde 17, femelle 4 ans. Le 6, H, Jorniac, corde 14, hanger 8 ans. Le 7, Apouchien, corde 15, femelle 4 ans. Le 8, c'est le Cœuvre, corde 9, mâle 4 ans. Le 9, H. Besnier, corde 1, hanger 7 ans. Le 10, Mademoiselle M. Velon, corde 2, hanger 8 ans. Le 11, R. Thomas, corde 10, hanger 6 ans. Le 12, H. Boutin, corde 11, mâle 4 ans. Le 13, Hermangione, corde 8, hanger 4 ans. Le 14, Hardwin, corde 12, hanger 6 ans. Le 15, Crassus, corde 16, mâle 4 ans. Le 16, Mademoiselle Sepaco, corde 3, hanger 4 ans. Le 17, Sedimero, corde 4, mâle 3 ans. Voilà, on va diminuer la dimension de la page pour pouvoir lire tout le programme, comme ça on est bien. Alors le 11, le 2, le 11, le 16 portent les œillères. Le 12, le 15 portent les œillères australiens. Voilà le poids, le 1, le 2, 60-60, le 3, 58,5, le 4, 5, 58, le 6, 7, 57,5, le 8, 56,5, le 9, 56, le 10, 55,5, le 11, le 12, 54,5, le 13, le 14, le 15, 53,5,5, le 16, 53, le 17, 52,5. Le conseil du professionnel Fabrice Chappé. Voilà son pronostic: 1, 10, 6, 3, 9, 15, 5, 17. Je répète. Le pronostic de Fabrice Chappé: 1, 10, 6, 3, 9, 15, 5, 17. Repéré sur les pistes par nos reporters. Kimi Oronda, numéro 5. Dernière minute, le 17 MCT Net. Lisse, le terrain lisse à 4 mètres. Terrain probable. Bon à bon souple, départ prévu à 15h15. La synthèse du statisticien, le 10, le 5, le 6, le 7, le 17, le 1, le 11, le 2. L'interdit du tiercé, numéro 16. Ray John. Trop décevant. Voilà l'opinion de Fabrice Chappé, le professionnel des quintés. Dans ce quintet pour sprinter, il est logique de tenir comme il est logique de tenir compte de la ligne du prix de la place Morny, le quintet référence disputé le 7 juillet sur ce tracé. Ce jour-là, Purest Time, attentiste dans la deuxième moitié du peloton, terminait plaisamment au centre de la piste et créer sûrement la décision aux dépens de Tertius. Deuxième, toujours vu non loin du groupe de tête et auteur d'un bon coup de rein final pour son deuxième essai dans les handicaps.
Tu d'aubaine, cinquième, qui n'avait rien lâché jusqu'au bout après avoir été monté offensivement. Rock Boy, sixième, qui a constamment figuré en étant isolé du reste du peloton. Et de Torpen, septième, qui s'était bien ressaisi pour finir. Je précise que malgré 3 kilos de pénalité, Purestheim me paraît toujours compétitif au poids dans ce même quintet. Whistle and Flute, dixième, ne parvenait pas à revenir de l'arrière-garde, mais il faut se rappeler qu'il avait fini au deuxième rang d'une épreuve similaire au printemps à Chantilly. Décidé, il a les moyens de se racheter. Enfin, Kimi Oranda, spécialement confié à Maxime Guillon, avec lequel il est invaincu. Puis, McTennent, qui s'est montré trop brillant dans le quintet du 3 août à Deauville, sont également de sérieuses possibilités. Voilà le repéré sur les pistes par nos reporters. Le 5 vaut beaucoup mieux que nous l'indique sa musique cette saison et a les moyens de remettre les pendules à l'heure à l'occasion de son retour dans les handicaps, comme l'a déclaré son entraîneur Pierre Menard à notre reporter Jonathan Caparo. C'est une jument de qualité que j'ai récupérée dans mes box en début de saison. Dernièrement, dans la liste disputée le 19 juillet à Vichy sur 1600 mètres, la distance s'est avérée trop longue. Il sera bien mieux sur 1200. En tout cas, après ces 3 courses de rentrée, il semble vraiment très bien. Actuellement, sachez également qu'il retrouve Maxime Guillon avec lequel il est invaincu en 3 sorties. Je préfère l'avoir en bon terrain sur le gazon que sur une piste en sable fibré fuyante. Ce sera surtout une question de déroulement de course en ligne droite, mais j'espère qu'il va rassurer tout le monde. Dernière minute, le 17, repéré sur les pistes, le 5. On continue, mes amis. Voilà. Voilà notre programme. Les cotes, les performances, les entraîneurs. 17 partants. Voilà, on va diminuer pour pouvoir dominer tout le programme comme ça. Eh bien, c'est bien. Alors, voilà les performances, les jockeys, les cotes. Le 1, 9 contre 1. Le 2, 20 contre 1. Le 3, 7 contre 1. Le 4, 45. Le 5, 10. Le 6, 11. Le 7, 12. Le 8, 27. Le 9, 16. Le 10, 5. Le 11, 13. Le 12, 45, le 13, 18, le 14, 20, le 15, 14, le 16, 50, le 17, 26. Voilà l'opinion du Vinard. Qu'est-ce qu'ils ont écrit sur ces chevaux? Alors le 1, encore compétitif, 9 contre 1, le 2, pas si sûr, 20 contre 1, le 3. Au top, oui, pour une place, 7 contre 1. Le 4, nous n'y croyons pas, 45 contre 1. Le 5, Tuyo, invaincu avec Guillon, 10 contre 1. Le 6, priorité, tout est OK, 11 contre 1. Le 7, à surveiller, 12 contre 1. Le 8, il faut qu'il nous rassure, 27 contre 1. Le 9, attention, 16 contre 1. Le 10, base solide, proche d'une victoire au mieux. 5 contre 1, le 11 regret, 13 contre 1, le 12 difficile, 45 contre 1, le 13 plus dur, pénalisé de 7 kilos, 18 contre 1, le 14 pas impossible, 20 contre 1, le 15 rachetez-le, 14 contre 1, le 16 l'impasse, trop décevant, 50 contre 1, le 17 dernière minute. Déréglage idéalement placé au poids, 26 contre 1. Voilà le pronostic du Vinard, mes amis. Je choisis comme de base 5-10. On leur associe les outsiders tels que 17, 6, 15, 1, 3, 9. On continue avec les pages course par course pour les amateurs de course par course. Suivant leurs recommandations, je fais ce truc-là. Alors voilà la première course.
À Deauville, Réunion 1, dernière minute le 1, repéré sur les pistes le 3. La deuxième course, dernière minute le 7, repéré sur les pistes le 4. La deuxième et la sixième course, dernière minute le 6, repéré sur les pistes le 5. La sixième course, dernière minute le 4, repéré sur les pistes le 1. La quatrième et la huitième. La quatrième course, dernière minute le 8. La huitième course, dernière minute le 4. Jeudi à Vichy, voilà le pronostic du Vinard de 8 courses. Vous pouvez ralentir la vitesse de la vidéo ou bien arrêter là comme vous voulez. Jeudi à Cannes-sur-Mer, Réunion 5. Première course, dernière minute le 12. La quatrième course, dernière minute le 12. La deuxième course, dernière minute le 4. La cinquième course, dernière minute le 8. La troisième course, dernière minute le 4. La sixième course, dernière minute le 5. La septième course, dernière minute le 7. Philo Rézé. Le multi, je pense, le pic 5. Le pic 5, voilà la réunion 1, course 7, dernière minute le 8. Voilà le pronostic du Vinard. Je choisis 18. Les outsiders 2, 9, 3, 12, 5, As. La synthèse du statisticien repéré sur les pistes le 10. Le conseil du professionnel Fabrice Chappé. Voilà son pronostic 10, 8, 3, 5, 2, As, 9, 11. Pic 5, course 9, réunion 1. Dernière minute le 8, repéré sur les pistes le 9. Le pronostic du Vinard, je choisis 9-8 comme base. Le conseil du pro Fabrice Chappé, 9, 16, 8, 15, As, 6, 5, 12. Voilà, jeudi à Misley du Maine, réunion 3, 8 courses. Voilà les pronostics du Vinard. Bonne chance, mes amis, à la prochaine course, à la prochaine vidéo avec d'autres journaux.